Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouvel épisode des Actus du Verse. Au programme aujourd'hui, l'essentiel du rapport de mois d'août 2021, de la multitude de nouvelles IA qui font leur arrivée en passant par le voyage quantique physicalisé et Jumptown 2.0, on fait le plein d'infos. Mais avant de commencer ce rapport du mois, j'ai deux annonces importantes à vous faire. La première est que j'ai officiellement ouvert ma page Tipeee. Vous trouverez le lien dans la description, mais je reparlerai de tout ça plus en détail à la fin de la vidéo. La deuxième annonce concerne la mise en place d'un glossaire pour les rapports du mois. Comme vous l'avez constaté, j'ai beau essayer de vulgariser un maximum, il m'est difficile de passer outre certains termes techniques. Pour éviter donc de me répéter à chaque vidéo, j'ai mis en place cette liste de définitions qui sera mise à jour régulièrement. N'hésitez donc pas à y jeter un coup d'œil, le lien est aussi en description. Allez, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Comme à chaque fois, on entame ce rapport du mois avec les équipes IA et plus précisément l'équipe d'IA fonctionnalité. Tout au long du mois d'août, ils ont aidé l'équipe Level Design en créant un nouveau comportement de travailleur. Cela permet aux designers d'appliquer des traits aux divers archétypes d'IA et d'affiner les actions dont ils ont besoin comme s'asseoir, se pencher, inspecter ou cuisiner. L'équipe a aussi modifié divers utilisables pour les rendre compatibles avec le système de réaction spontanée qui permet aux PNJ de rompre leur action en cours de manière fluide pour en démarrer une autre. Par exemple, si un PNJ est en train de taper sur une console et qu'il entend un coup de feu ou aperçoit un ennemi, il va immédiatement stopper ce qu'il était en train de faire et va réagir de manière appropriée. Ce système a été mis en place pour l'utilisation de consoles debout ou assis, les inclinaisons, les sièges, les escaliers, les balustrades, les points de recherche, les points d'attaque, etc. Il travaille encore avec l'équipe moteur et l'équipe animation pour améliorer les visuels. En parlant de visuels, des prévisuels ont justement commencé pour deux nouvelles futures fonctionnalités dont le comportement de dealer. Le dealer est un marchand ambulant auquel le joueur pourra vendre ou acheter. Ce PNJ stocke tous les items utilisables à la main sur lui, mais si le joueur veut quelque chose de plus conséquent, le dealer le guidera vers son stand. Enfin, l'équipe IA continue à identifier des comportements de PNJ qui reflètent l'atmosphère et la population de Pyro, c'est-à-dire la pauvreté, la cupidité et la maladie. Ils ont aussi continué de travailler l'expérience de réapparition dans les hôpitaux et les cliniques en vue de leur arrivée en 3.15. Du côté de l'équipe IA fonctionnalité, ils ont continué de travailler sur divers scénarios de combat. Tout au long du mois d'août, ils ont amélioré la perception visuelle des IA en ajustant leur champ de vision et en donnant aux designers la possibilité de modifier plus en détail certains paramètres qui y sont liés, l'objectif étant de créer un mécanisme de combat furtif pour le joueur, ce qui nécessite des temps de perception et un champ de vision réglable pour les IA. Enfin, les PNJ ont été configurés pour utiliser des tourelles lance-missiles. On enchaîne avec la dernière équipe IA, l'équipe d'IA contenu. Durant le mois d'août, ils ont amélioré le système de recherche de chemin pour qu'il fonctionne avec les tuiles de maillage de navigation planétaire, leur permettant de placer des PNJ sur des planètes et de les déplacer d'un endroit à un autre. Ils ont également commencé le travail pour générer automatiquement un maillage de navigation planétaire en fonction de la proximité du joueur. Ils ont également travaillé sur une fonctionnalité livrée ce mois-ci plutôt cool, permettant aux joueurs de diriger une formation de vaisseaux IA. Cela avait été initialement demandé pour Squadron 42, mais devrait maintenant être aussi disponible sur le PU dans le futur. Enfin, des efforts significatifs ont été faits pour améliorer le trajet des IA et comment les PNJ les suivent. Comme les chemins de conception peuvent être assez complexes avec plusieurs branches, ils ont été mis à jour pour permettre aux PNJ de les suivre depuis n'importe quel point de départ. C'en est fini pour les équipes IA, mais avant de s'attaquer aux équipes artistiques, passons en revue rapidement l'équipe d'animation. Celle-ci a passé une partie du mois d'août à se concentrer sur les vendeurs de produits illégaux, de nourriture, de boissons et d'autres objets. L'équipe a aussi progressé avec le comportement médical dans sa globalité, ce qui inclut les vidéos de prévisualisation des clients, la fonctionnalité de guérison de l'hôpital et les éléments utilisables associés. Ils ont aussi travaillé sur le déplacement en état d'ébriété dans différents statuts, par exemple avec une arme et sans arme. Les comportements de reddition et de couverture mentionnés dans les précédents rapports du mois ont également continué de progresser. Enfin, des sessions de mocap ont été enregistrées pour couvrir diverses animations concernant l'hygiène, le hacking, la navigation, les bornes d'arcade, les sièges pour malades et les vendeurs. L'équipe marketing prépare d'ailleurs une vidéo pour illustrer tous ces avancements. Allez, on continue ce rapport du mois d'août avec les équipes artistiques, et comme d'habitude, on démarre avec l'équipe d'art des personnages. Le mois dernier, ils ont terminé un grand nombre d'éléments pour la mise à jour 3.15. Cela inclut une armure lourde résistante à la chaleur qui va remplacer la combinaison Caldera de Pembroke. L'équipe a aussi finalisé plusieurs sacs à dos, dont 3 basés sur la marque Clark Defense System et 1 sur la marque Doomsday. Ils ont également retravaillé les sacs à dos existants précédemment attachés aux armures pour les rendre individuels et modulaires. A partir de la mise à jour 3.15, chaque nouvelle armure sortira avec son sac à dos du même style. Concernant maintenant l'équipe d'art des vaisseaux,
comme dans le précédent rapport du mois, il y a beaucoup d'infos. Premièrement, en Angleterre, le vaisseau non encore annoncé mentionné au début de l'année est terminé. L'équipe s'occupe de finaliser quelques détails et de préparer des skins pour sa sortie. Le Redeemer prévu pour la mise à jour 3.15 s'approche de sa phase d'art finale, l'équipe s'occupant des boutons interactifs du cockpit, de la tourelle télécommandée, de la baie à composants et de polir le pont inférieur. Le travail sur le Hull A a aussi commencé, la phase de white box de ce dernier étant presque terminée. Son grand frère, le Hull C, est quant à lui en train d'être pasté au standard gold. Au mois d'août, l'accent fut mis sur l'extérieur, l'équipe remplaçant les matériaux initiaux par le nouveau shader et s'assurant qu'il est prêt pour le système de peinture actuel. Pour rappel, l'arrivée du Hull C est prévue pour la mise à jour 3.16 à la fin de l'année et le Hull A pour la mise à jour 3.17. Deux autres véhicules non annoncés ont aussi continué leur chemin à travers la pipeline. L'un a vu sa phase de greybox complétée avec succès et s'approche maintenant de sa phase d'art final, alors que l'autre est en attente pour conclure sa phase de greybox et finaliser l'extérieur. Du travail sur le refueling pour le Starfarer a été mené, le bras de ravitaillement mentionné dans les précédents rapports du mois est maintenant terminé. L'équipe se concentre désormais sur le rayon tracteur à l'arrière qui fait partie de la fonction de raffinage. Pour le Hercule A2, la variante bombeur des Hercules prévue pour la mise à jour 3.15, il est passé en phase d'art final. Pendant ce temps aux États-Unis, le Ares aussi prévu pour arriver en 3.15 est passé à sa phase d'art final. Le cockpit, le système d'entrée et de sortie, l'emplacement physique des composants, les trains d'atterrissage et les propulseurs ont été peaufinés. On a aussi des nouvelles du Vulture. Le cockpit, la zone d'habitation, l'échelle et la zone de cargo sont presque toutes terminées. Son arrivée en jeu est prévue pour l'année prochaine, en même temps que la mécanique de recyclage pour les vaisseaux. Et enfin, un tout nouveau véhicule a quasiment terminé sa phase de greybox, alors que la fameuse variante non annoncée d'un vaisseau populaire est terminée. On en a donc fini avec toutes ces nouvelles concernant les vaisseaux. En tout cas, préparez-vous, car avec la CitizenCon qui arrive le 9 octobre, on risque d'avoir une belle panoplie de vaisseaux à tester. Bon allez, les vaisseaux c'est bien beau, mais on passe maintenant à l'équipe audio. Durant le mois d'août, l'équipe d'effets audio et de dialogue ont revisité Horizon, ajoutant cette fois des ambiances et des effets ponctuels dans trois zones différentes. De plus, des nouvelles lignes de dialogue et de la musique ont été implémentées pour compléter l'expérience audio. Des effets d'ambiance ont aussi été ajoutés à la clinique de Grimex, de même que des lignes de dialogue PNJ qui informent le joueur à quel point les traitements proposés dans cet établissement peuvent être douloureux. Le mécanisme et les effets d'explosion ont été implémentés sur la bombe MOB. L'équipe de sound design technique a travaillé aussi sur le système de hacking en ajoutant des effets sonores. Enfin, la préparation pour la CitizenCon virtuelle continue, on apprend d'ailleurs qu'une nouvelle technologie de son sera présentée pendant l'événement. Du côté de l'équipe moteur, comme d'habitude je ne vais pas m'étendre sur les multitudes de points techniques qui y sont présentés, mais il y a quand même quelques éléments qui ont retenu mon attention et qui sont vraiment intéressants. En août, l'équipe physique a progressé avec le voyage quantique physicalisé. Dans leur flux de développement, ils ont désormais une grille physique propre à chaque système stellaire, avec des zones représentant des obstacles quantiques. Mis à part certains problèmes à régler, ils peuvent par exemple faire l'équivalent d'un saut quantique aveugle et l'abandonner avant de heurter une lune le long du trajet. Pour résumer tout ça, on aurait donc peut-être la possibilité dans le futur de lancer des voyages quantiques sans destination prédéfinie. Des obstacles au voyage quantique comme des ceintures d'astéroïdes ou des astres pourraient interrompre le voyage. Ce système semble très prometteur et j'ai hâte de voir quel rôle il aura à jouer avec le gameplay d'exploration. On quitte maintenant l'équipe moteur pour se plonger dans les équipes fonctionnalités. Et vous allez le voir que de leur côté aussi, il y a eu beaucoup d'avancées. Premièrement, concernant l'équipe fonctionnalités personnages et armes. En août, l'équipe s'est concentrée majoritairement sur la correction de bugs et du polissage pour le nouvel inventaire du joueur et le gameplay médical. Plus d'infos sur ces gameplays majeurs dans les deux prochains ISC. Enfin, du côté technique, l'équipe a travaillé à la fois sur l'amélioration des squelettes humanoïdes, mais aussi celui des créatures. Du côté de l'équipe fonctionnalité gameplay, l'équipe basée aux États-Unis a continué de travailler sur l'application Knickknacks mentionnée dans les précédents rapports du mois. L'application est désormais totalement terminée et sera prête pour sa sortie en 3.15. L'équipe a aussi continué de travailler sur de nouveaux événements dynamiques. Ils nous disent qu'ils ont notamment commencé Jump Time 2.0, le prochain événement où les avant-postes deviendront hyper lucratifs, incitant les joueurs à se battre pour contrôler la zone et récolter le plus d'argent possible. Plus d'infos à ce sujet devraient arriver bientôt. Enfin, ils ont continué de travailler sur les reworks du cargo, l'éditeur d'archétypes de personnages et la nouvelle fonctionnalité pour vendre et acheter des items. On passe maintenant à la dernière équipe fonctionnalité, l'équipe fonctionnalité des véhicules. Comme d'habitude, ils ont continué le développement des Jump Points, ils ont accéléré le développement de ces derniers et ont facilité la collaboration avec les autres équipes en créant les outils de jeu et de développement nécessaires. Ils ont également aidé l'équipe fonctionnalité PU avec le refueling, notamment au niveau des HUD.
Ils ont aussi soutenu l'équipe expérience véhicule avec les interfaces utilisateurs liées au bombardement qui vont arriver en 3.15. Enfin, l'équipe expérience véhicule s'est justement concentrée sur le bombardement et a travaillé sur l'équilibrage des vaisseaux pour la mise à jour 3.15. Concernant l'équipe d'éclairage, durant le mois d'août, ils se sont concentrés sur toutes les fonctionnalités qui arrivent en 3.15. Des passes d'éclairage ont été complétées sur divers endroits à horizon, dans la salle d'exposition Crusader, le magasin de customisation de vaisseaux Cruising Crow et sur la plateforme Providence. Des travaux de lumière ont aussi été réalisés pour les cliniques médicales et l'hôpital de Grimex. Le progrès continue aussi pour les hôpitaux de leur ville et d'Aria 18. Enfin, l'équipe d'éclairage a assisté l'équipe création planétaire sur l'atmosphère et l'étalonnage des couleurs pour les planètes et les lunes du système Pyro, aidant à rendre chacune d'entre elles unique et intéressante. Du côté de l'équipe narrative, tout au long du mois d'août, ils se sont concentrés sur la mise à jour de 3.15, travaillant avec l'équipe design sur les descriptions des nouvelles missions et élargissant les organisations présentes dans l'application Delphi de la MobiGlass. Le gameplay médical ainsi que les nouveaux hôpitaux et cliniques ont aussi reçu du travail, l'équipe faisant des passes sur tout ce qui est lié à l'interface utilisateur et la publicité. De plus, des nouveaux dialogues ont été enregistrés pour aider à peupler les infrastructures médicales et les nouvelles zones d'horizon. Au-delà de la mise à jour 3.15, l'équipe a continué de travailler sur le contenu de l'IAE de 2951 ainsi qu'un événement dynamique à venir. Ils ont également enregistré des lignes de dialogue de mission pour les diverses forces de sécurité autour de Stanton, ce qui ajoutera de la profondeur au contenu futur. Les travaux préliminaires sur un tout nouveau type de mission ont commencé, l'équipe travaillant en étroite collaboration avec l'équipe design pour prototyper les dialogues qui viendront soutenir le gameplay. Enfin, le développement du contenu narratif pour Pyro continue, définissant davantage ce que les joueurs peuvent s'attendre à rencontrer dans le nouveau système. Concernant l'équipe service et outils systémiques, en outre, le travail sur la simulation Quantum s'est poursuivi. Pour rappel, vous pouvez retrouver sur ma chaîne l'intégralité de la présentation de celle-ci par Tony Zurovec. Des améliorations permettant aux concepteurs d'ajuster ces différents systèmes ont été ajoutées aux outils. Enfin, le travail a commencé concernant le tracker de PNJ qui permettra de suivre les PNJ d'un serveur à l'autre. Ce système sera utilisé par n'importe quelle boucle de gameplay qui souhaite ou doit suivre des PNJ lorsqu'il passe d'IA instanciée à IA virtuelle en se déplaçant dans le verse. L'équipe véhicule tech a apporté la touche finale au rework du radar, scan et ping pour les véhicules. Ils se sont également préparés à intégrer ces améliorations pour le gameplay FPS. Et enfin, concernant l'équipe VFX qui va conclure ce rapport du mois, ils ont revisité la nouvelle technologie SDF des boucliers, une version simplifiée du système a été produite permettant d'économiser des ressources. Ils ont également commencé leur travail sur les effets de poussière et de neige le long des surfaces des vaisseaux. Ce travail s'inscrit dans la continuité des effets des propulseurs ajoutés avec la mise à jour 3.15. Enfin, des effets spéciaux concernant le Hercule A2 et un des vaisseaux non annoncés mentionnés précédemment ont été réalisés, de même que pour les armes de taille 7 DRS. Et voilà, on en a fini pour l'essentiel de ce rapport du mois d'août 2021. Comme mentionné au début de la vidéo, j'ai donc ouvert ma page Tipeee. Vous retrouverez sur celle-ci les raisons pour lesquelles je l'ai créée ainsi que les contreparties pour les personnes qui souhaitent m'aider. Globalement, peu importe le montant que vous souhaitez donner, vous aurez accès aux vidéos en avance et vos pseudos seront affichés à la fin de la vidéo. Bref, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire, mettre un pouce bleu et vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Sinon, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, c'était Cyclone. Ciao.